approcher. Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, rapprochez-vous même. Allô, mademoiselle. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmidt. 08, pas 07. Allô, c'est ridicule. Gentil.
très gentil. Moi non plus, je ne me croyais pas si forte. Quelle comédie? Allô? Qui? Que je te joue la comédie? Moi? Tu me connais? Je suis incapable de prendre sur moi. Pas du tout. Pas du tout.
qui n'est t'entend plus. Je ne sais pas, c'est-à-dire... C'est...
attendez. Hôtel Zelle 4,7. Allô? Pas libre. Allô, mademoiselle, il me redemande. Bien. Seulement je mentais en te décrivant ma robe et en te disant que j'avais dîné chez Marthe. Je n'ai pas dîné, je n'ai pas ma robe rouge.
Thank you.
j'entends de la musique. Je dis, j'entends de la musique. Et bien, je te dis, écoutez mon cœur, et nous péchés, si vous en êtes, soyez des grands mouflons.
chambre, je voulais l'appeler. Il refuse qu'on le touche. Depuis, il me mordrait. Oui, moi, je te jure qu'il m'effraie. Il ne mange plus, il ne bouge plus. Et quand il me regarde, il me donne la chair de poule. Comment veux-tu que je sache? Il croit peut-être que je te fais du mal. Pauvre bête! Aucune raison de lui en vouloir. Je ne les comprends que trop bien. Il t'aime. Il ne te voit plus rentrer. C'est un homme, mais c'est un chien. Malgré son intelligence, il ne peut pas le deviner. Mais je ne sais pas, mon chéri, comment veux-tu que je sache? On n'est plus soi-même. Songe, et je déchirerai tous les paquets de photographies dans sa yuko. Même pour un homme, ce serait un tour de force. Allô? Allô, madame? Retirez-vous! Vous êtes avec des abonnés! Allô? Mais non, madame! Mais madame, nous ne cherchons pas à être intéressants! Si vous nous trouvez ridicule, pourquoi perdez-vous votre temps au lieu de raccrocher? Thank you.
c'est de pas, de voix. Je ne saurais pas acheter un revolver. Tu ne me vois pas achetant ton revolver. Oh,
après demain soir, je voudrais. Tu comprends?